Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme je vous l'avais dit, je suis allée sur ma mère. Voilà, et du coup, qui dit ma mère, se dit Action. Voilà, j'étais faire un petit tour à Action. Un peu déçue puisque je n'ai pas trouvé ce que je suis allée pour voir. J'avais été pour voir s'il y avait les fameux pochoirs, les derniers pochoirs. Style, on dirait un peu que c'est 3D. Je n'ai pas vraiment regardé de vidéo là-dessus, mais dans ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu comme si c'était en 3D. Voilà. Et du coup, voilà, j'étais il y a avec des roses. Et moi, du moment où il y a des fleurs, vous savez que j'adore. Et donc, je voulais prendre ne serait-ce que celui avec les roses. Mais voilà, il n'y en avait pas. Bon, tant pis. Hein. J'ai trouvé d'autres petites choses. Donc, Alors, je vais commencer par ce qui n'a rien à voir avec le scrap. Voilà, je me suis pris des petites, voilà, les bougies comme ça. Parce que quand je fais la résine pour chauffer, en fait, voilà, j'utilise ça. Donc, j'en ai plus du tout. Voilà, et donc, il y en a 100 pour 4,27 €. J'ai pas trouvé de plus petit paquet. Je voulais pas du tout prendre un gros paquet comme ça. Moi, je voulais prendre un paquet de 10 ou 12. Ça me suffisait largement. Là, j'en ai pour 20 ans à utiliser tout ça. Donc, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, j'en ai eu pour 4,27 € les chauffe-plats. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre qui n'est pas vraiment du scrap, mais bon, c'est du papier quand même. Hein. J'ai pris des ramettes de papier 80 grammes pour mon imprimante, puisque là, j'arrive au bout de ma ramette. Voilà, et donc ça, c'était, alors que je ne dise pas de bêtises, c'était 4,89 € alors 80 grammes, les 500, voilà, il y a 500 feuilles à 4 et donc 80 grammes, voilà, c'est du HP, voilà, donc ça c'est bon. Et maintenant, c'est pas des nouveautés, hein, je vous dis, j'ai pas trouvé des choses, voilà, hein. J'ai trouvé la colle, enfin j'ai pris, parce qu'il y en a toujours de ça, de la colle comme ça là, en rouleau, voilà. Alors, c'est écrit comment? Rouleau de ruban adhésif, voilà. Et du coup, ça, c'est 99 centimes. Donc, j'en ai repris un parce que j'avais fini l'autre. Ensuite, j'ai repris une boîte comme ça, voilà. Parce que quand j'ai des petites choses, que ce soit au niveau perles, au niveau des petites fleurs, ou voilà, les petites fleurs en tissu, etc., etc. Voilà, moi j'utilise ça. Comme ça, il y a pas mal de casiers dedans, hein, vous les connaissez déjà. Alors, vous avez un côté où vous avez le grand, deux grands et après des petits, voilà. Et vous avez l'autre côté où il y a tout ça. Où il y a plein de petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et l'autre côté, vous avez 14 compartiments. Donc, en tout, il y a une 24, je crois. Voilà, je trouve que... Enfin, moi, j'adore ranger là-dedans parce que ça ne prend pas beaucoup de place. On voit à travers, donc on voit ce qu'il y a dedans. Voilà, et voilà. Et hop là. Ensuite, j'ai pris. Il y avait ces blocs là. Alors, jusqu'à présent, j'ai pas fait de blocs customisés. Voilà, j'ai pas. Et ça fait un moment que j'ai envie. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu celui-là, là, comme ça, je me dis, bah. Ouais, pour les courses, vous voyez, pour faire un bloc pour les courses, eh bien, c'est pas mal. C'était 89 centimes, voilà. Il est quand même épais, hein, voilà. Donc, je vais voir. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais il m'a plu. Donc, 89 centimes, voilà. Ensuite, j'ai repris les blocs comme ça, de papier de chez... bah oui, toujours de chez Action, puisque c'est un haul de chez Action, Elena, voyons. Du papier, hop, épais, voilà, des feuilles épaisses. Donc, c'est du A3,
300 grammes, mais par contre, il y a 10 feuilles, 10 couleurs différentes. Et c'est 1,69 €. Moi, je prends ces feuilles-là parce que quand je veux faire des boîtes, vous voyez, les bases, pour les bases, eh ben, j'aime bien. Après, il y a des couleurs que j'aime pas. L'orange, j'utilise pour ainsi dire jamais. J'en ai plusieurs comme ça, mais il y a des couleurs qui sont toujours là. Généralement, le jaune, le vert et l'orange, il est tout le temps là-bas. Le reste des feuilles, je les utilise, mais ceux-là, mais bon, c'est comme ça. Il n'y en a qu'une de chaque. Voilà, c'est dommage. Et donc, c'est 1,69 € les 10 feuilles, 300 grammes à 3. Voilà. Et pour finir, dans du scrap, alors j'achète pas souvent du washi, en fait. J'achète pas souvent. Parce que souvent, voilà, les couleurs, voilà. Et là, j'aime, je sais pas, j'ai accroché avec les couleurs qu'il y avait. Et donc, c'était... par contre, j'ai trouvé que c'était pas donné, mais il y en a beaucoup. Hein, c'est 3,39 €. Mais je crois pas que c'est des nouveautés. Franchement, dans tout ce qu'il y a là, comme je vous ai dit, je pense pas que ce soit des nouveautés. Enfin, les autres choses, non, mais ça, je pense pas. Et donc, il y en a 4. Il y en a 24 fois 3 mètres. Voilà, hop, est-ce que je vais réussir comme ça? Non, je voulais enlever comme ça, ça ne marche pas, c'est pas grave, on va couper. Voilà, voilà. Hop, et donc on a 24 rouleaux de 3 mètres, mais j'ai trouvé qu'il y en a comme ceux-là, là, voilà, j'adore. Voilà, c'est les toutes petites fleurs, alors hop. C'est où l'entame? Voilà. Alors, si je fais comme ça sur du blanc, je voulais voir ce... Voilà. Voilà, ça fait ça sur du blanc. Regardez, ça fait super joli. Voilà, les toutes petites fleurs comme ça. Là, il y en a aussi. Non, j'aimais bien. J'aimais bien. Là, c'est comme ça. Là, par contre, y a des choses écrites. Bon, quand il y a des trucs écrits, c'est vrai que je suis moins... C'est pas grave, je m'en sers... Ceux-là, je me servirai pour... c'est marqué fleur house. Donc, des fleurs. Je me servirai des fois pour... quand on met des scotch pour fermer les enveloppes et pour cacher le scotch, bon, on peut mettre ça. Hein, voilà, je mettrai ça. Ceux-là, tout ça, c'est joli. Là, bon, c'est encore des écritures. Voilà, c'est moyen. Là, j'aime bien. Là, tout ça, là aussi. Là, encore des avec des mots. Mais c'est encore marqué... c'est marqué Noren. Il me semblait que c'était pluie, non? Ah, c'est peut-être pas de pluie, pas de fleurs. No rain, no flowers. C'est peut-être ça. Ce qui est vrai, hein, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fleurs. Ça ne pousse pas. Donc, c'est peut-être ça. Là, c'est pareil, c'est des petits textes en anglais. Hein, vous savez que je ne suis pas trop douée, puis ce n'est pas forcément ce qui me plaît. Mais donc, voilà. Donc, il y en a quand même 24 rouleaux. Et je trouvais que les couleurs, elles étaient jolies. Voilà. Et j'ai vu que Aurélie, des fois, elle donne des idées pour des cartes, justement en mettant beaucoup de petits rouleaux, de petites bandes de washi. Et je trouvais que là, j'aime bien son idée, mais j'ai pas mal de washi, mais souvent, ils ne sont pas forcément assortis. Tandis que là, je trouve qu'ils sont assortis, donc ça peut donner quelque chose de joli. Voilà. Et donc, voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé chez Action. Enfin, ça ne m'a pas empêché de dépenser presque 20 euros. Je me dis, ça a quand même augmenté parce que j'ai l'impression qu'avant, quand j'allais chez Action, quand je venais avec le même nombre de choses, hein, c'est-à-dire, voilà, j'avais ça, ça, franchement, j'avais pas grand-chose. Hein. Voilà, j'avais ça, ça et ça. 20 euros. Heureusement qu'il n'y avait pas plein de nouveautés, hein, parce que sinon, je ne sais pas à combien la carte, elle aurait bien chauffé. Donc, voilà, j'espère que mon petit haul vous a plu. En attendant, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.